Zimmermann, étude pour violoncelle, musique pure pour une peinture pure. J'aurais pu faire appel à Purcell, plus instable et si proche de la véritable force de Nicolas Poussin. Mais une petite préférence quand même pour cette vibration qui expose la silencieuse résonance de l'essence. Peinture, musique, son, sens, couleur, forme. La peinture de Nicolas Poussin sollicite l'œil et épuise le corps par ses rythmes de couleurs insensés. Ce qui sort de ces tableaux, en tout cas de ceux qui sont exposés au Grand Palais à l'automne 94, c'est une sorte de parfaite présence au monde de la part du peintre. Un homme en prise avec la pesanteur et la grâce, en somme. Un homme qui n'a pas peur. Un homme physiquement là, avec un fond apaisé. Il est là dans son travail. On a ça aussi chez Carpaccio, dans les tableaux qui sont exposés, les grandes compositions de l'Académie de Venise. Même rythme, même espace. Quelque chose aussi de Paolo Uccello. Dans les Nuits de France Culture, Nicolas Poussin, le philosophe, le peintre, celui qui vraiment nous épuise. Et il faut bien tout cela, ce qui le prend, ce qui nous prend, pour que ces incroyables couleurs puissent advenir. Poussin était pour moi quelqu'un de poussiéreux, comme pour tout le monde. Et en 1960, ce fut la révélation. Et mon Dieu, à partir de là, je me suis intéressé à lui passionnément. Et évidemment, j'ai lu les lettres, et, qui sont extraordinaires et qui révèlent un homme sublime, intelligent, fin, musical, profond, inquiet, comme si je le connaissais. Il a été en fait rendu poussiéreux par l'académisme, parce qu'on en a fait de sa pente naturelle un dogme. Définition de la peinture. C'est une imitation faite avec lignes et couleurs en quelques superficies de tout ce qui se voit dessous le soleil. Sa fin est la délectation. Quand j'ai découvert Poussin, il y a une chose qui m'a paru évidente, c'est que tout d'un coup, ces matières étaient très très chaudes, parce que son ébauche, l'ébauche qui était en dessous la matière picturale, l'ébauche était très rouge, et ce qui réchauffe énormément la toile. Mais ça m'a paru tellement intéressant que depuis ce moment-là, moi, je fais toutes mes ébauches avec des préparations rouges, comme ça, qui sont des oxydes de fer dans des tons de Mars, qui sont et tout ça, c'est vraiment en référence à Poussin, parce que tout d'un coup, l'ébauche prend un sens particulier. Une vie, une œuvre. Nicolas Poussin, 1594-1665. Le mystère du classicisme. Il était de haute stature, bien proportionné et d'un rare tempérament. Son teint était quelque peu olivâtre et noir ses cheveux, en grande partie blanchis par l'âge. Ses yeux avaient quelque chose d'un bleu ciel. Le nez affilé et le front spacieux rendaient noble son visage d'aspect modeste. Il se traitait honnêtement. Son vêtement n'était pas splendide mais sévère et il lui faisait honneur. Pierre Rosenberg, nous voici donc dans cette salle de Poussin, donc toute nouvelle maintenant dans l'organisation du Louvre. Et nous sommes en présence de ce très célèbre autoportrait. Il y en a deux seulement de Poussin et celui-ci est le plus tardif. On voit un Poussin assez âgé déjà, semble-t-il, et avec un visage très austère et qui a toujours surpris beaucoup les commentateurs.
Poussin, évidemment, n'a pour ainsi dire pas fait d'autre chose que des tableaux mythologiques ou des tableaux à sujet religieux ou des paysages, et se refusait au portrait qu'il considérait comme un art mineur. Et il a beaucoup résisté avant de peindre les deux autoportraits auxquels vous faisiez allusion, celui qu'il a fait pour Pointel et celui qu'il a fait pour Chanteloup, qui étaient ses deux principaux mécènes français, l'un en 1649, aujourd'hui à Berlin, et celui du Louvre qu'il a fait pour Chanteloup l'année suivante. Et puis, il a beaucoup résisté. Il a demandé à d'autres peintres s'il voulait le peindre. Il a trouvé ses autres peintres nuls. Il a fini par se peindre lui-même. Et ça, il y a dans les lettres plein de passages amusants, et notamment quand il s'est agi de savoir lequel il destinerait à Pointel et lequel il destinerait à Chanteloup. Alors, celui du Louvre est évidemment très émouvant. C'est un homme déjà âgé, en effet, représenté dans toute sa dignité, avec une certaine solennité. Et ce qui est très intéressant dans ce tableau, c'est d'abord l'inscription, où il dit bien qui il est né aux Antilles, qu'il l'a fait l'année du jubilé, c'est-à-dire en 1650. On a beaucoup analysé ce tableau, on s'est beaucoup interrogé sur la raison de cet arrière-plan, c'est-à-dire ces cadres, ces toiles dont on voit par le verso, avec leurs bordures dorées, et ces cadres qui sont entassés, empilés les uns devant les autres, et qui donne à la composition un fort accent géométrique extraordinairement prononcé. On a aussi beaucoup remarqué les yeux qui sont quand même rougis, parce qu'il a voulu par là indiquer qu'il travaillait. On a beaucoup aussi insisté sur la bague avec le petit diamant d'or, le chaton d'or, en forme de pyramide. Et puis surtout, on s'est beaucoup interrogé, mais là on connaît la réponse, sur la femme qui est à l'arrière-plan, avec les deux bras qui l'encerclent, et son diadème. Et on sait que cette femme, c'est l'amitié. C'est l'amitié que Poussin porte à Chanteloup. Et les deux bras, ce sont les bras de Poussin qui reçoivent l'amitié, et c'est une manière de dire qu'en dépit de la distance qui sépare Rome de Paris ou Paris de Rome, eh bien, ces bras sont là pour indiquer cette amitié entre Poussin et Chanteloup. Donc là, le symbolisme est très très clair, et les interprétations depuis sont allées bon train. J'en cite une parmi les autres pour montrer à quel point l'interprétation des œuvres de Poussin peut aller loin. Vous voyez qu'il y a donc deux bras. Ces deux bras entourent plus ou moins cette personne, cette amitié, et vous voyez que on voit très clairement les pouces de ces deux bras, et un des pouces, vous le voyez, tient plus ou moins la poitrine de cette femme. Alors quelqu'un a prétendu que c'était une manière de signer son tableau, car pouce sur les seins, Poussin. Donc vous voyez un peu jusqu'où on peut aller dans l'interprétation des tableaux de Poussin. Alors l'œuvre elle-même est extraordinaire, parce que si vous voulez, d'un seul coup, cette espèce de Romain dans sa toge anthracite et devient une sorte de symbole du classicisme dont vous parliez, ce mot qu'il ne faut pas prononcer, il est devenu plus ou moins l'image d'une certaine peinture française. Il faut tempérer ce portrait par l'autre image de Poussin, celle de l'année précédente, où il est beaucoup plus souriant, où il est moins solennel, moins pontifiant, moins le dernier des barbeurs, selon l'expression de Madame de Cambremer dans La recherche du temps perdu, quand elle parle de Poussin. C'est un tableau, évidemment, où l'artiste a voulu donner son image telle qu'il souhaitait que la postérité s'en souvienne. Incontestablement, là, l'image prime, l'image est très forte. Et c'est un petit peu une image un peu truquée à cet égard, mais par ailleurs, admirable, car il y a ces allusions d'une part à l'amitié et d'autre part ce jeu extraordinaire des portes et des cadres, et cette espèce de construction cubiste qui est aussi une profession de foi. Alain Méros, il en essaie de planter le décor en ce qui concerne Poussin. Bon, on sait qu'il naît près de Rouen, aux Antilles, très exactement, et que a priori, rien ne le destine vraiment à la peinture, parce que lui-même vient d'une famille, de son père est de petite noblesse, et alors que dans ce siècle, donc fin du 16e, début du 17e, la peinture est souvent, très souvent, un héritage filial ou un héritage d'atelier. Là, curieusement, rien ne prédispose Poussin à la peinture. Alors comment lui vient la peinture? On est placé devant quelque chose d'un peu inexplicable à première vue, une vocation, et la plupart des biographes de Poussin s'accordent à dire que cette vocation, elle lui est venue lorsque il a vu travailler aux Andelys, dans l'église des Andelys, un peintre qui s'appelait Quentin Varin et qui était un peintre, un maniériste tardif, si vous voulez, pour simplifier, qui a fait deux grands tableaux religieux aux Andelys, je crois que c'était en 1612 ou quelque chose comme ça.
Et Poussin, qui était très jeune à ce moment-là, qui avait 16 ans ou 17 ans, l'a vu travailler et il aurait voulu ensuite suivre cet artiste. Mais si vous voulez, c'est le seul point un peu sûr que nous ayons sur toute cette période-là qui est très obscure, parce qu'on ne sait pas du tout en fait où il s'est formé au tout début. Est-ce qu'il a à Rouen, ensuite à Paris sûrement dans certains ateliers, mais des ateliers dans lesquels il n'est pas resté très, très longtemps. Il y a plusieurs, si vous voulez, dates importantes pour situer les débuts de Poussin. La plus connue, c'est évidemment celle de 1624, et le moment où il travaille, où il arrive à Rome et où il commence à travailler vraiment, et c'est le moment, la date à partir de laquelle nous conservons vraiment des œuvres. Mais cette arrivée à Rome de 1624, c'est quelque chose qui intervient bien après toutes sortes de tentatives. Il a fait plusieurs voyages manqués pour aller à Rome, comme vous savez, dans des circonstances parfois très très pénibles. Et on oublie également, trop souvent, qu'il a quand même une carrière parisienne avant d'arriver à Rome en 1624. C'est-à-dire que dans les années 1620-24, sous la régence de Marie de Médicis, donc avant l'arrivée au pouvoir de Richelieu, nous avons un jeune peintre qui est quand même déjà introduit dans certains milieux et qui en particulier travaille pour les jésuites. Seulement malheureusement, il a fait 6 grands tableaux à l'occasion de la canonisation de Saint Ignace de Loyola. Il paraît que ça a beaucoup impressionné les Parisiens parce qu'il a peint ça très vite. C'était des grandes toiles. Malheureusement, elles ont disparu. Si l'on ne sait pas grand-chose donc de la carrière de peintre de Poussin à Paris, donc de son tout début, on sait quand même que c'est à Paris qu'il va rencontrer ce poète italien, donc qui est Giambattista Marino. Voilà, Giambattista Marino, dit le cavalier marin, qui était à ce moment-là à la cour de Marie de Médicis, et qui joue un rôle essentiel justement dans les liens, les échanges culturels, comme on dirait aujourd'hui, entre l'Italie et la France, notamment littéraire, qui a laissé en particulier une correspondance très importante où il nous renseigne sur ses réactions d'Italiens devant la cour de France, devant l'art français en général, qui n'apprécie pas. Il dit justement que les peintres français ne sont pas capables de faire de la grande peinture alors que les Italiens le font. Et il a rencontré ce jeune peintre, sans doute justement dans les milieux de la cour, de la régente, et il a été sans doute un peu stupéfié par ses dons. Alors il a fait, comme vous le savez, il a commandé tout de suite à Nicolas Poussin une série de dessins pour illustrer justement sur les sujets des métamorphoses de ville, également des sujets de batailles romaines. Ces dessins sont à la bibliothèque de Windsor. Et ce sont des œuvres très intéressantes parce qu'on voit là encore, ce sont des œuvres de transition où on voit un jeune artiste qui a encore du mal à trouver son style propre, mais qui ne recule pas devant l'ambition du traitement d'un sujet complexe. Et on a ici un jeune peintre qui, vous voyez, qui est capable à la fois de faire de grands tableaux religieux pour les jésuites et en même temps de faire des œuvres plus intimes, extrêmement païennes et sensuelles. C'était quelqu'un qui apparemment avait beaucoup de tempérament et en même temps, sûrement, dans le caractère, une passion, une violence extrêmement, extrêmement forte. Il y a des œuvres de lui qui sont des œuvres terribles, comme le massacre des innocents de Chantilly, la peste du Louvre. Ce sont pas du tout des œuvres douillettes et bien tranquilles. Ce sont pas non plus forcément des œuvres un peu majestueuses et austères des années 1650. Il trouva à Rome le cavalier marin qui lui fit 1000 caresses et qui, dans la vue de lui rendre service, en parla avantageusement au cardinal Barberin en lui disant « Vederete un giovane che ha una furia di diavolo ». Comme le cavalier, de qui le Poussin attendait beaucoup de secours et de protection, mourut peu de temps après l'arrivée de ce peintre, et que le cardinal Barberin, qui avait envie de le connaître, n'en avait point eu le temps, le Poussin se trouva à Rome sans secours et sans connaissance. Il eut toutes les peines du monde d'y subsister. Il était contraint de donner ses ouvrages, son unique ressource, pour un prix qui payait à peine ses couleurs.
Poussin est encore assez jeune à l'époque. Jeune, non. C'est pas du tout un jeune homme. C'est non, un artiste. Non, pas un jeune homme, mais... Non. C'est un point sur lequel aussi je crois qu'il faut insister. Poussin est le contraire d'un enfant prodige. C'est un artiste qui a eu beaucoup de mal à trouver sa voie, à s'imposer. C'est un tard venu à la peinture. C'est un homme qui a eu beaucoup de difficultés techniques à maîtriser un peu son métier. Et il n'est pas jeune du tout. Il arrive à Rome, il a 30 ans. À 30 ans, bien des artistes avaient leur carrière derrière eux, sans oublier que bien des artistes étaient morts à cet âge-là, bien entendu. Masaccio, par exemple. Ou Géricault, enfin, qui meurt un peu plus âgé, à peine plus âgé. Et bon, là, il faut faire un autre rapprochement. Alors, cette fois-ci très fort, c'est Cézanne, qui a eu les mêmes difficultés à trouver sa voie, et qui est lui aussi le contraire d'un artiste précoce. C'est un artiste qui lentement s'est bâti à la force du poignet, avec des rencontrant toutes sortes d'obstacles, ce qui est devenu un des grands styles de l'histoire de l'art, enfin, qui a révolutionné plus peut-être encore que l'œuvre de Poussin tout le cours de l'histoire de la peinture, mais qui a aussi eu beaucoup de mal à trouver sa voie. Poussin, lui aussi, il y peine, il cherche, il trouve pas tout de suite. C'est un artiste qui n'a pas de facilité, il n'a aucune facilité. La grandeur de Poussin, elle est ailleurs. Ce qui m'amuse toujours, c'est qu'il arrive au moment précis où le Bernin, lui, vient d'achever le fameux baldaquin de Saint-Pierre de Rome, et le Bernin a presque le même âge que Poussin, il est de 4 ans son cadet, et lui-même est déjà en pleine gloire, en fait. Et Poussin va se trouver donc dans cette Rome qui est vraiment livrée à l'effervescence baroque de la contre-réforme. Oui, alors là, on a peut-être pas assez étudié les liens, mais en tout cas le parallélisme Poussin-Bernin, ça permet quand même, ce sont deux artistes fort différents, mais ça permet de peut-être de faire sentir un certain nombre de choses. Et curieusement, on a l'impression que ces deux hommes ne sont pas tellement fréquentés à Rome. Non, ils ne se sont pas beaucoup fréquentés, mais Bernin était très fier, il le dit, et ça doit être vrai, d'avoir été à l'origine de la commande à Poussin du Martyr de Saint-Érasme que Poussin a peint pour Saint-Pierre de Rome et qui maintenant est présenté au Vatican. Il le dit, il insiste là-dessus, et je crois que c'est un trait sur lequel il faut insister nous-mêmes un peu plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Car au fond, ce tableau représente dans la carrière de Poussin, qui est une carrière extraordinairement variée, et très d'un homme qui a beaucoup réfléchi sur la peinture et qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé de manière, qui, tout en étant très fidèle à lui-même, a quand même été à certains moments plus ouvert à Venise, à d'autres moments plus ouvert à l'antique, à d'autres instants plus intéressé par le dominicain, etc., etc. Ce tableau, le Martyr de Saint-Érasme, comme d'ailleurs quelques autres tableaux de cette date, sont des tableaux où l'on sent un intérêt de la part de Poussin pour l'esthétique du Bernin, un goût pour les grandes formes très sculpturales d'une part et pour les formes mouvementées. Et je dois dire que Bernin insistant pour que ce soit Poussin qui reçoive cette commande, à une époque où Poussin commence à être connu, mais où à Rome il y a des rivaux de taille, Pierre de Cortone parmi les autres, parmi bien d'autres, insistant pour que Poussin reçoive cette commande, c'est très important, c'est d'autant plus important qu'on sent de la part de Poussin une tentation vers ces grandes formes amples, monumentales, qui sont un peu l'esthétique que Bernin, à ce moment-là, impose à Rome et qui est encore si visible pour qui visite Rome aujourd'hui. Par exemple, il est sûr que Poussin, dans un tableau comme le Martyr de Saint-Érasme, qui est un grand tableau d'hôtel pour Saint-Pierre de Rome, c'est-à-dire une des commandes les plus prestigieuses qu'un peintre pouvait obtenir, dans ce tableau-là, il tente de rivaliser avec la force du Bernin, notamment dans les volumes qui sont très accusés, comme dans une sculpture, avec le mouvement également qui est très fort. Et en revanche, on va voir ensuite un artiste qui progressivement se définira un peu contre quelqu'un comme le Bernin. C'est-à-dire qu'il va choisir certaines rationalités, certaines médiocrités, comme il disait. Et par exemple, si on compare deux œuvres qui sont assez proches par la composition, d'une certaine façon, l'Annonciation, qui est à Londres, qui est un tableau tardif des années 50, et la Sainte Thérèse en extase, la transverbération de Sainte Thérèse du Bernin, on a deux œuvres, vous voyez, qui sont un peu bâties sur le même schéma, avec un ange et une femme, mais on a évidemment quelque chose de très différent, puisque le Bernin essaie de lier ensemble tous les pouvoirs de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de façon à emporter le spectateur dans une sorte de flux d'émotions,
alors que Poussin, au contraire, se prive de plus en plus volontairement de certaines facilités, si vous voulez, pour revenir à des constructions extrêmement sobres et à une expression qui est, là encore, très, très contrôlée. Donc, c'est un artiste qui se développe dans la Rome baroque, avec des aspects qu'on peut qualifier de baroque. Je n'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin, on peut l'utiliser quand même pour les œuvres des années 1624-1630, mais qui après, de façon très raisonnée, très lucide, je crois, comprend que ça n'est pas sa voix et que, au fond, il vaut mieux s'en tenir à des œuvres qui soient à la fois plus restreintes dans l'espace et plus méditées dans le fond. Principe que tout homme capable de raison peut apprendre. Il ne se donne point de visible sans lumière. Il ne se donne point de visible sans moyen transparent. Il ne se donne point de visible sans terme. Il ne se donne point de visible sans couleur. Il ne se donne point de visible sans distance. Il ne se donne point de visible sans instrument. Ce qui suit ne s'apprend point. Ce sont parties du peintre. Quand Poussin arrive à Rome, l'Académie de France à Rome n'existe pas encore, puisqu'elle sera même créée à sa mort même. Et alors en fait, le voyage à Rome, bon, c'est déjà une tradition pour les peintres français, mais il est quand même aussi un peu un précurseur, en fait, dans ce domaine. Je ne dirais pas un précurseur. Si vous voulez, dès le XVIe siècle, il y a des artistes français ou flamands qui vont en Italie. Il y a une, comme vous dites, il y a une tradition, et cette tradition est longue. La création de l'Académie de France à Rome, c'est la sanction d'un très long processus. Ça apparaît très tard. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un point qui est tout simple et tout bête, c'est que avant 1624 en France, c'est-à-dire avant le ministère de Richelieu, l'affermissement, si vous voulez, du pouvoir royal, il y a quand même une difficulté pour les artistes à trouver des débouchés en France. Il y a eu les guerres de religion. Bon, Henri IV a essayé de remédier à cela, mais dans le domaine de la peinture notamment, il n'y avait pas de débouchés aussi importants à Paris qu'à Rome. D'autre part, comme vous le savez, Rome était le plus beau musée du monde. Poussin parle à propos de l'Italie de la lumière. On lui fait dire qu'il avait désiré voir cette lumière, qu'il la voit enfin en 1624. Et la lumière, c'est pas seulement la lumière de l'Italie, c'est la lumière des chefs-d'œuvre de l'Italie. L'Académie de France à Rome, c'est une création du pouvoir royal français pour entériner cette tradition, mais c'est un moment où, justement, la France n'a plus tellement besoin d'envoyer ses artistes à l'étranger, sinon pour les former un petit moment, et puis ensuite les faire revenir pour travailler pour le roi de France. Au contraire, au fond, l'Académie de France à Rome, ça a été une sorte de volonté de récupération des artistes et de contrôle des artistes. Mais tout cela commence en 1664, c'est-à-dire 65, donc au moment où Poussin meurt. Oui, parce que c'est Louis XIV qui va créer l'Académie voilà, de France. Colbert et Louis XIV. Et alors, pour revenir donc à ses débuts romains, il y a un personnage donc qui joue une grande importance pour Poussin, puisque Poussin va le fréquenter. C'est ce savant éclairé, donc Cassiano del Pozzo. Voilà, Cassiano del Pozzo, sur lequel en ce moment on travaille énormément, notamment à Londres, au British Museum, où on s'efforce de reconstituer, à partir d'ailleurs des nombreux documents, ce qui a été la grande entreprise de Cassiano del Pozzo, ce qu'on appelle le Museo Cartaceo, c'est-à-dire le musée en papier, car Cassiano del Pozzo voulait constituer une sorte d'encyclopédie illustrée de ce que nous appellerions les réalités du monde antique. Pour ça, il a demandé à des artistes, peut-être Poussin d'ailleurs, à ses débuts, des artistes qui avaient besoin d'argent, de reproduire de façon précise les monuments de la Rome antique. Quand je dis les monuments, ce n'est pas seulement les œuvres d'art, c'est tout, aussi bien les objets, car l'idée de Cassiano del Pozzo, ce n'était pas de faire une histoire de l'art des anciens, ça arrivera bien plus tard avec Winckelmann, c'était l'idée de restituer toute la richesse de la culture antique et en particulier de retracer l'histoire de la religion des anciens. Et Poussin a été sûrement très marqué par cette entreprise et ça débouche sur, vous savez, les deux séries des sept sacrements. La première série de tableaux est faite pour Cassiano del Pozzo, la seconde est faite pour un Français qui est Chanteloup.
Pierre Rosenberg, autre grande œuvre de Poussin, donc ce Jugement de Salomon, où là vraiment triomphe un style d'expression qu'il a toujours valorisé, c'est-à-dire la fable mythologique et la fable biblique. Oh, c'est la Bible, là, en l'occurrence. Le tableau lui a été peint une année après l'autoportrait, une année avant, le 1649, pour Pointel, justement, l'autre grand patron. Le sujet est bien connu, il mérite quand même qu'on le décrive en une seconde. Deux prostituées avaient chacune un enfant. Et l'une écrase son enfant pendant son sommeil et prend l'enfant de l'autre, le substitue à celui qui était mort. La mère qui n'avait pas perdu son enfant s'en rend compte, se dispute avec l'autre et elles viennent toutes les deux voir Salomon pour qu'il décide de savoir qui est la mère de l'enfant survivant. Alors Salomon, vous le voyez, il est tout jeune, il est sur son trône et il regarde et il prononce donc son fameux verdict qu'on coupe l'enfant vivant en deux. Et vous voyez, il y a un soldat qui, d'un geste extraordinairement élégant, torse nu, avec un casque très ornementé, s'apprête à couper l'enfant vivant en deux. Et évidemment, la méchante mère, qui est verte de colère, verte de rage, dit qu'on exécute l'ordre de Salomon. Elle tient l'enfant mort sous son bras. Et la bonne mère, au contraire, celle dit qu'on l'épargne, et elle écarte les bras dans un geste très, très émouvant pour justement souhaiter, plutôt que de le voir couper en deux, qu'on l'épargne et qu'on le donne à la mauvaise mère. Et on voit bien, en même temps, dans le tableau, toutes sortes de personnes qui, effrayées par la sentence, la première sentence de Salomon, qui détourne la tête, le soldat qui détourne la tête sur l'extrême gauche, la femme qui détourne la tête. Et là, il y a un petit enfant qui, lui, ne se rend même pas compte de l'extraordinaire violence et tension de l'histoire, qui regarde ça plus étonné qu'effrayé. Il y a une autre femme très effrayée. Et l'extraordinaire de ce tableau chez Poussin, il y a bien des choses qui sont extraordinaires dont on dira un mot, c'est que, en même temps qu'il donne son ordre, qu'on coupe l'enfant en deux, il y a déjà la sentence. Voici la bonne mère. Il pointe le doigt vers elle et vous voyez, il y a un sage qui le rend grâce à la justesse du jugement de Salomon, qui justement, par cette sentence brutale, a permis de reconnaître la bonne mère. Donc, Poussin a ce génie absolument extraordinaire de raconter une histoire qui se place dans le temps, les différents épisodes de l'histoire, sur une toile. Alors, par ailleurs, le tableau est merveilleusement construit avec ce jeu des colonnes, des portes ouvertes, des arrière-plans, avec les raffinements des éclats lumineux qui viennent donner à ce fond de théâtre presque toute sa dimension. Il est le sol aussi merveilleusement composé. C'est une construction d'une rigueur mathématique absolument extraordinaire. Il est, du point de vue de ses couleurs, d'une audace presque criante. Il y a des accords chromatiques extraordinaires. Ce bleu lapis-lazuli, à côté de ce lilas, à côté de cet autre bleu, de cet autre jaune, tout ça est d'un raffinement, d'une audace, d'une sûreté de couleur. Et puis il y a toutes sortes de petites choses amusantes qui viennent distraire de cette histoire dramatique, qui viennent suspendre un peu la tension du récit, comme par exemple ces griffons qui s'affrontent, qui sont la base du trône de Salomon, ou comme par exemple le bouclier, ou bien le casque du soldat qui, comme tous les militaires, exécute les ordres sans réfléchir, sans écouter. Enfin, on lui dit coupe en deux, il coupe en deux. Ça, il exécute l'ordre, si vous voulez. Tout ça, il y a, à côté de cette rigueur mathématique de la composition, à côté de, il y a toujours plein de détails qui permettent de pénétrer dans l'œuvre. Mais par ailleurs, derrière l'histoire, derrière la leçon de cette histoire, c'est-à-dire l'isolement du pouvoir, il y a aussi tout le plaisir du spectateur à découvrir justement tous ces raffinements de l'architecture ou des couleurs ou des expressions. Ou des personnages. Enfin, chacun vraiment une expression différente. Absolument. Ça, c'était la grande idée de Poussin, que chacun, en fonction de sa condition sociale, de son âge, de son statut social, s'il était femme ou réagit à un événement selon sa manière, selon sa personnalité. Et là, c'est très clair. Enfin, c'est une image très provocante, c'est un tableau quasiment grimaçant, si on veut, par certains côtés, mais Poussin n'est pas un peintre réaliste, il y a une espèce de stylisation de l'idée et de stylisation des éléments architecturaux, stylisation des corps, il y a une espèce de distillation, proprement dit, de la réalité au profit d'une image et d'une idée abstraite qui est absolument prodigieuse. L'idée de beauté ne descend dans la matière qu'elle n'y soit préparée le plus possible. Cette préparation consiste en trois choses. L'ordre, le mode et l'espèce ou forme. L'ordre signifie l'intervalle des parties. Le mode est relatif à la quantité. La forme consiste dans les lignes et couleurs. L'ordre ne suffit, ni l'intervalle des parties.
ni ne suffit que tous les membres du corps aient leur place naturelle, si ne s'y joint le mode qui donne à chaque membre la grandeur qui lui est due, proportionnellement au corps, et s'il n'y concourt l'espèce, en telle sorte que les lignes soient faites avec grâce et dans un suave accord de lumière et d'ombre s'avoisinant. Et de tout cela, appert-il manifestement que la beauté est en tout éloignée de la matière du corps, de laquelle elle ne s'approche si elle n'y est disposée par des préparations incorporelles. Et ainsi peut-on conclure que la peinture n'est autre qu'une idée des choses incorporelles, et que si elle montre les corps, elle en représente seulement l'ordre et le mode selon lequel les choses se composent, et qu'elle est plus attentive à l'idée du beau qu'à tout autre. Et de là, quelques-uns ont voulu que cette idée fût la seule marque, et on peut dire le but, de tous les bons peintres, et que la peinture fut l'amante de la beauté et la reine de l'art. Gérard Garoust. Par exemple, dans la manière dont Poussin traite un tissu, on ne sait, c'est une couleur, mais on ne sait pas finalement si c'est une soie, un feutre, un coton, un lin. C'est le tissu. C'est une représentation comme ça du tissu, mais sans tomber dans l'image. Enfin, je crois qu'il est étrangement très moderne, parce que justement, ce n'est pas un peintre qui tombe dans l'anecdote. Tout est de l'ordre du conceptuel, finalement. Quand il traite du meurtre, ce n'est pas une représentation plate. On n'est pas dans le drame. On est toujours dans l'évocation du meurtre. Mais ce n'est pas le meurtre. Il n'y a pas quelque chose de sanglant, de dramatique. C'est l'effet même de la peinture. Contrairement à ce que les gens pensent du classicisme, le classicisme peut se définir en un seul mot, la mesure, la juste mesure. Eh bien, si c'est cela, c'est bien ça. Eh oui, il a donc suivi sa pente naturelle, qui était celle de, comme il dit lui-même, de la fatalité. Et en plus, la recherche de la borne, c'est-à-dire pour lui, pas tout était possible, tout était impossible. Voilà pourquoi il me plaît. D'ailleurs, je le suis là-dessus, mentalement, vous voyez, moralement. Moralement, il me sert de modèle, et pas la peinture. Son exemple est un exemple universel. Parce que cette borne qui s'est posée, ce qu'il appelait, lui, la médiocrité. Mais il ne voulait pas dire médiocre. Il voulait dire la réduction au minimum. C'est la médiocrité au sens stoïcien du terme. C'est ça, exactement. Et donc, c'est ça sa grandeur. Il n'y a pas de comparaison possible entre lui et ses contemporains, parce que c'était moins défini. Vous voyez ? Mais vous, Arica, quand vous parlez de la juste mesure, j'ai l'impression en fait qu'en ce qui concerne Poussin, il faut prendre l'expression juste mesure au sens premier même de l'expression. Oui. C'est-à-dire que ça n'est pas la juste mesure au sens de l'idéal de l'honnête homme, enfin qui est vraiment l'idéal classique, mais c'est la juste mesure au sens des proportions. Exact. En fait. Des proportions et de ne pas crier trop haut, trop fort. C'est-à-dire la juste mesure veut dire. Disons en termes picturaux, si on met un rouge, on n'a pas besoin de mettre le rouge, on met un ocre rouge. Vous voyez, on parle plus bas et pas plus fort. C'est ça. Parce que l'ocre va atténuer. Non, parce qu'il y a le côté sublime. Parce que finalement, tout se passe, comme il est coloriste, tout se passe dans les juxtapositions. De ton, bien sûr. Oui, Alain Méraud, en fait, ce que vous citez très exactement dans votre livre donc, sur la peinture française au XVIIe siècle, c'est que Poussin serait peut-être un peintre tel l'écrivain selon Aristote, c'est-à-dire justement celui qui... Le juste milieu, oui, il y a ça. Alors, il ne faut pas que nous ayons peur de ce terme aujourd'hui, parce qu'évidemment, aujourd'hui, on a tendance à mettre Bernin très haut et puis à dire, au fond, Poussin, et ne parlons pas des autres peintres classiques français, ce sont des gens un peu timides, pas du tout. Il y a la même générosité au départ, simplement, si vous voulez, les conditions de la création sont différentes et
les moyens et les fins poursuivis sont différents. C'est-à-dire que là, il s'agit effectivement de traduire un univers qui serait celui de la mesure en même temps, celui de la juste proportion entre les choses. La juste proportion, parce que pour Poussin, il y a quand même quelque chose de très important qu'il a essayé d'expliquer par ce terme très compliqué qu'on appelle le mode. Qui s'inspire, vous savez, de la classification que les Grecs avaient établie pour la musique, les différents modes musicaux. C'est très compliqué. Je crois qu'il faut, si on veut comprendre cette notion de mode, il faut bien penser que derrière mode, il y a évidemment mesure, et donc il y a une sorte de science des nombres qui est commune à tous les arts. Et ça, Poussin en a tout à fait conscience, que ce soit la poésie, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, la rhétorique, tout est régi au fond par un système de proportions. Et le grand apport de Poussin au fond à l'histoire des arts, c'est d'avoir consciemment mis en pratique, en relation d'abord ces différents arts, et mis en pratique cette science des nombres dans le domaine qui était le sien, c'est-à-dire la peinture. Louis-Antoine Prat. Poussin a beaucoup dessiné sans doute, beaucoup plus que ce qui subsiste de son œuvre graphique. On ne connaît plus que 382 dessins, alors qu'il a dû en faire plusieurs milliers. Et la plupart des dessins qu'on connaît sont effectivement en rapport avec des tableaux. Tout simplement parce qu'il utilisait une méthode très particulière et très intéressante. Il préparait, on la connaît par des textes anciens de gens qui ont vécu près de lui, et notamment Sandrart, qui était un peintre allemand et qui a décrit la méthode de son ami Poussin. Poussin utilisait, quand il avait une commande ou une idée de composition, il faisait un croquis d'ensemble, et ensuite, pour rétablir les plans et la composition exacte de son tableau, il utilisait une boîte à perspective. C'est-à-dire que, imaginez une espèce de boîte dans laquelle il posait des petits personnages qu'il fabriquait lui-même, qui étaient en cire, et ces petits personnages, il les vêtait au nom de draperies. Ces draperies, c'était des petits bouts de tissu. Et une fois qu'il avait tout ce groupe de personnages pour son tableau, il les déplaçait à l'intérieur de sa boîte, sur un plan plat, et puis dans la profondeur de champ. C'est-à-dire que ça lui permettait de varier ses projets de composition. Et justement, à l'exposition, nous avons pu juxtaposer plusieurs études pour le même tableau, notamment pour le baptême de la seconde série des sacrements commandés par son ami Chanteloup. Et on voit très bien comment, d'un dessin à l'autre, les figures changent, se déplacent, certaines se modifient dans leur courbure, et donc on voit très bien comment il joue de tout ça. Au fond, on peut dire qu'il n'avait pas tellement d'imagination. Il joue de tout ça pour modeler sa composition la plus parfaitement possible. Et en même temps, dans le fond de cette boîte, qui donc figurait le fond du tableau, il devait déplacer des panneaux où il y avait des paysages différents. C'est bien que, par exemple, dans cette série du baptême, à chacun des dessins, il y a un paysage différent, un peu comme au théâtre, on change les arrière-plans, les portants d'une scène de théâtre. Il portait toujours avec lui un calepin où il notait, par des dessins ou par des notes, tout ce qui le frappait. Quand il se proposait de peindre une composition, il étudiait soigneusement le sujet, puis jetait sur le papier deux ou trois légères esquisses de l'ordonnance générale. S'il s'agissait d'une histoire, il prenait une planche divisée en carrés, convenable à son projet, et y ordonnait des petites figurines nues, en cire, dans les poses nécessaires à l'expression de l'action d'ensemble. Pour exécuter ses tableaux, il se servait souvent aussi de modèles vivants et prenait son temps pour les étudier. Car souvent, il commençait à peindre, puis s'interrompait pour aller se promener, mais toujours occupé de pensées sérieuses sur son travail. Il réglait sa vie en ayant en vue qu'un seul but, son art. Le coloris de Titien l'influença d'abord, mais il se rallia bientôt à Raphaël avec tant d'enthousiasme qu'il rejeta la couleur du Titien avant de se fier à celle encore plus belle de la chair même. Quelquefois, nous sommes allés à cheval, Poussin, Claude Gellée et moi, jusqu'à Tivoli, pour peindre ou dessiner des paysages d'après nature. Joachim von Sandrart.
Il y a un problème sur lequel les Poussinistes se battent beaucoup, ce sont les dessins de paysages purs de Poussin, c'est-à-dire les dessins de paysages faits sur le motif, pour lesquels certains auteurs sont très larges et pensent qu'il a dû faire beaucoup de dessins de paysages d'une facture très différente les uns des autres, et pour lesquels nous sommes beaucoup plus restrictifs. Il y a aussi un autre élément dans ces dessins qui est très intéressant, ce sont les copies d'après l'Antique. Vous parliez tout à l'heure avec Pierre Rosenberg de l'influence de l'Antique sur Poussin, et cette influence se traduit notamment beaucoup par des copies. Mais curieusement, bien qu'on ait des textes qui disent qu'il se promenait en Rome avec un carnet et qui copiait beaucoup de choses, on a pu démontrer que la plupart de ces dessins d'après l'Antique sont faits non pas d'après des statues, on en connaît quelques-uns comme le Marc Aurèle de la place du Capitole qu'il a copié, mais la plupart du temps d'après des recueils de gravures d'après l'Antique qu'il recopiait tranquillement dans son atelier. Et pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ça lui permettait, sur sa feuille de papier, de restituer l'Antique d'une façon harmonieuse et tout à fait personnelle. C'est-à-dire qu'il empruntait à des gravures d'Antique des détails qu'il juxtaposait sur ses feuilles de papier, mais d'une façon à lui. Il ne se contentait pas de recopier un Antique après l'autre. Et donc, ce qui est très beau dans ses feuilles d'après l'Antique, justement, c'est qu'il recrée tout un monde avec une harmonie particulière. Me trouvant un jour avec lui et visitant certaines ruines de Rome, en compagnie d'un étranger très désireux d'emporter en sa patrie quelques raretés antiques, Nicolas lui dit « Je veux vous donner la plus belle antiquité que vous puissiez souhaiter. » Il recueillit de sa main dans l'herbe un peu de terre et de gravier, avec de petits morceaux de porphyre et de marbre presque pulvérisés, et dit « Voici, monsieur, portez-le dans votre musée et dites « Ceci est Rome antique ». C'est vraiment tout Poussin, ça. C'est l'Antique recréé parce qu'il est vécu intérieurement. Il n'y a pas de... Au fond, il n'y a pas de passéisme chez Poussin. C'est vraiment le monde vécu. Et puis, vous savez, la Rome antique devait être moins différente de la Rome de Poussin que la Rome de Poussin donnait de la nôtre. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Ce qui me frappe beaucoup chez Poussin, c'est d'une part que le dessin est pour lui un instrument. C'est-à-dire que ce n'est pas un dessinateur pour qui le dessin est en soi une œuvre d'art. C'est, alors après avoir dit cette phrase très négative, un instrument qui utile, il utilise ce qu'il voit et le transcrit sur le papier. Il a donc à l'égard du dessin une attitude, disons-le, plutôt hautaine. Et par ailleurs, et ça c'est la grande contradiction, ces dessins qui sont si maltraités en un certain sens par Poussin, si on peut, pour être brutal, sont des choses absolument, et qui sont en plus, je veux rester là-dessus aussi, je crois, jamais le fait d'un grand virtuose. Il ne faudrait pas penser à Ingres, c'est quelqu'un qui dessine mal, si l'on veut. Appliqué. Non, pas appliqué, mal, maladroitement. Il dessine maladroitement. Et en dépit de ça, les dessins sont absolument bouleversants. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien d'inutile dans chacune de ces feuilles. Chaque trait est d'une précision, d'une justesse, d'une... et garde une espèce de charge émotive. Mon charge émotive est malvenue. Mais enfin, garde quelque chose d'extraordinairement personnel. Alors, il y a une espèce de contradiction inexplicable, enfin difficilement explicable en tout cas, entre ce dessin qui est un moyen, ce dessin qui est malhabile, et par ailleurs... un résultat profondément original, profond, qui place Poussin quand même parmi les grands dessinateurs de tous les temps. Il observait un mode de vie très ordonné, parce que nombreux sont ceux qui peignent selon leurs caprices et demeurent quelque temps pleins de grande ardeur, mais ensuite se fatigue et pour un long intervalle délaisse les pinceaux. Nicolas avait accoutumé de se lever matin et de faire quelques exercices une heure ou deux, se promenant quelquefois à travers la ville, mais presque toujours sur le mont de la Trinité, qui est le mont Pincio, non loin de sa maison, auquel on atteint par une brève pente, délicieuse d'arbres et de fontaines, d'où se découvre la plus admirable vue de Rome et de ses amènes collines qui, s'harmonisant avec les édifices, font scène et théâtre. Il s'entretenait avec ses amis en curieux et doctes discours. De retour chez lui, il se mettait à peindre sans interruption jusqu'à midi et, s'étant restauré, peignait encore pendant quelques heures. Et ainsi, grâce à l'étude continue, acheva-t-il un œuvre plus grand que tout autre peintre, si habile soit-il. Le soir, il sortait de nouveau et se promenait au pied de la colline sur la place parmi la foule des étrangers qui ont coutume d'y accourir.
si grande connaissance que non seulement les peintres, mais tous les hommes d'esprit cultivé venaient pour apprendre de sa bouche les plus hautes significations de la peinture, dont il discourait non pour enseigner, mais au hasard de l'occasion. En 1644, alors qu'il a 50 ans, le peintre, désormais célèbre, entreprend à Rome une nouvelle série de représentations des sept sacrements de l'Église catholique. « Je travaille gaillardement à l'extrême-onction », écrit-il à Chanteloup, son commanditaire. « Je mettrai dans cette série toute mon étude et toutes les forces de mon talent tel qu'il est. » 6 ans plus tôt, il avait déjà réalisé une première série de sacrements pour son protecteur et ami romain, Cassiano del Pozzo. Dans un esprit différent, car cet érudit avait fait faire des recherches dans les catacombes et voulait établir une encyclopédie du monde chrétien antique. Sujet de choix et pièce maîtresse dans les quelques 200 tableaux que nous a laissé ce grand raconteur d'histoire qu'est Poussin. Alain Méraud. Dans la lignée de la réforme catholique, on a mis l'accent, en particulier Baronius, l'auteur des Annales ecclésiastiques, sur ces sortes de grands moments de la vie du chrétien que sont le baptême, le mariage, la confirmation, etc. C'est-à-dire que pour la première fois peut-être, et à partir des notes prise par Cassiano et son équipe dans les catacombes, dans les différentes, et également dans les textes anciens, on a essayé de restituer la vie des anciens chrétiens, des premiers chrétiens. Et on l'a fait dans une perspective qui est une perspective, il faut le dire, historique. Et pas, ce ne sont pas seulement des tableaux religieux, ce sont aussi des tableaux dans lesquels les rites, les costumes, les accessoires sont scrupuleusement étudiés. Et alors, cette première série a fait sans doute grand bruit dans les milieux romains, ce qui explique sans doute que Chanteloup, l'un des patrons essentiels de Poussin en France, ait voulu à son tour avoir une série qui a été peinte un peu plus tard. Je crois que les deux d'ailleurs seront montrés à l'exposition de Paris, ce qui va être quand même une grande première. Et la seconde série est peut-être plus austère, plus monumentale, parce que le style de Poussin a évolué, mais est toujours fidèle également à ce respect, pourrait-on dire, archéologique vis-à-vis des réalités chrétiennes des premiers temps. Le cavalier Bernin entra dans la salle où sont les sept sacrements, où il n'y avait de tableau découvert que la confirmation. Il l'a regardé avec grande attache et a dit après « Dans ce tableau, il a imité le coloris de Raphaël. Quel grand raconteur d'histoire. Quelle dévotion. Quel silence. Comme cette jeune fille est belle. » Il a admiré le jeune Lévite, puis cette femme vêtue de jaune, puis toutes les figures les unes après les autres. J'ai fait apporter, après, le baptême, auprès de la fenêtre, et j'ai dit au cavalier que c'était une aube du jour. Il l'a considéré quelque temps, assis, puis s'est remis à genoux, a changé de place de temps en temps pour la mieux voir, tantôt à un bout, tantôt à l'autre, puis il a dit « Celui-ci ne me plaît pas moins que les autres. » A demandé si je les avais tous les sept. Je lui ai dit que oui. Il ne s'est point lassé de regarder une heure durant. Après, s'étant levé, il a dit « Vous m'avez infligé un grand désagrément aujourd'hui en me démontrant la valeur d'un homme qui me fait découvrir que je ne suis rien. » Je lui ai répondu qu'il devait être satisfait d'être arrivé au comble de la perfection de son art et que ses ouvrages à l'as du père avec ceux des antiques. Fréard de Chanteloup. Voyage du cavalier Bernin en France.
À Jean Lemaire, Rome, 19 février 1639. J'ai reçu la lettre du roi avec celle de Monseigneur de Noyers, celle de Monsieur de Chanteloup et la vôtre. L'une et l'autre m'ont fait connaître apertement le bon prédicament auquel vous m'avez mis envers tous. Et véritablement, l'honneur, les caresses et les offres que l'on me fait sont trop grands pour le peu de mérite que j'ai. Mais, puisque Dieu et la bonne fortune le veut ainsi, l'on ne me saurait tant faire de bien que je ne l'endure. Je me suis donc résolu de me partir d'ici, comme vous savez, pour aller servir mon prince, ce que j'aurais fait incontinent, le beau temps venu, mais après avoir considéré diligemment toutes mes affaires, j'ai trouvé qu'il m'est impossible de faire mon voyage plutôt qu'à l'automne prochain. Vous me feriez aussi un grand plaisir, et si vous pouviez savoir à quoi l'on me veut employer, et quel dessein a Monsieur de Noyers de faire rechercher de ce pays-ci tant de peintres, sculpteurs et architectes. Mais je ne voudrais pas qu'un autre que vous sût ma curiosité. Du reste, toute mon affaire va bien. Mais quand j'ai eu pensé au choix que me donne le dit Monseigneur de Noyers d'habiter à Fontainebleau ou à Paris, j'ai choisi la demeure de la ville et non point des champs, où principalement vous demeurez. Car sans vous, cher ami, je vivrais déconsolé. C'est pourquoi vous prierez de ma part notre dit Seigneur qu'il lui plaise me faire ordonner quelques pauvres trous, pourvu que ce soit auprès de vous. Chanteloup était très lié à ce qu'on appelait le surintendant des bâtiments du roi, qui s'appelait Sublet de Noyers, qui était le surintendant des bâtiments de Louis XIII, et qui était un peu une sorte de ministre de la culture de l'époque, qui s'occupait en particulier donc de la vie artistique. Et l'idée de Richelieu, c'était évidemment de faire revenir Poussin de Rome, puisqu'on commençait à en dire grand bien. D'ailleurs, Richelieu a fait travailler Poussin à une série de bacchanales pour son château de Richelieu. Hein. C'est un peu le pendant des sept sacrements, parce que c'est cette fois-ci la religion païenne qui est montrée, et non plus la religion chrétienne. Mais le but de l'opération, c'était de faire venir Poussin à Paris. Et alors, Chanteloup et son frère, ils s'appelaient tous les deux Fréard. Il y en a un qui s'appelle Frère de Chanteloup et l'autre Frère de Chambray. Et tous les deux ont fait une mission à Rome à la fin des années 1630 pour justement en particulier faire revenir Poussin. Et vous savez que Poussin va d'ailleurs revenir sur l'ordre du roi en 1640 et que ça ne se passera pas très bien, mais enfin il va rester quand même 2 ans à Paris. Avant lui, c'est Simon Vouet qui était rentré de Rome. Et en fait, d'ailleurs, ce voilà, que vous soulignez, c'est qu'au moment où Poussin arrive à Rome, Simon Vouet rentre à Paris. Trois ans d'intervalle. Voilà, Vouet revient en 1627. Et ça montre bien, justement, là, ce moment où la monarchie française prend conscience que... On dit toujours c'est un art de propagande. C'est pas seulement l'explication, mais c'est l'idée que un grand pays doit avoir de grands artistes et que comme il y a de grands artistes qui se sont fait connaître ailleurs, notamment en Italie, eh bien on peut les avoir également en France. Alors Vouet, en effet, a dominé la scène parisienne en tant que premier peintre du roi de 1627 aux années 1640. Poussin va venir un peu troubler le jeu dans les années 40-41. Mais il ne pourra pas se plier aux contraintes qui étaient exigées à l'époque d'un premier peintre du roi. Oui, puis de plus, disons, la personnalité de Poussin par rapport à celle de Simon Vouet, on voit deux personnalités tout à fait contradictoires, en fait, parce que... Apparemment, tous les deux avaient beaucoup de caractère. Il y en avait un qui était plus souple que l'autre, sans doute. Et en tout cas, les deux hommes ne s'entendaient pas. Ça, c'est évident. Et Vouet a fait critiquer un certain nombre des œuvres que Poussin a pu réaliser à Paris. Oui, c'est ça. Il a beaucoup contribué à son retour précipité à Rome. Et de plus, Simon Vouet lui-même aura des élèves, alors que Poussin, finalement, n'en a guère. C'est tout le contraire. Oui, on a au fond, avec Vouet, un artiste qui s'insère tout à fait dans la ligne du XVIe, du XVIIe siècle français, c'est-à-dire l'atelier, avec de nombreux élèves, la transmission d'un savoir-faire.
Et puis, d'autre part, un artiste qui ne se plie pas, justement, qui n'a jamais été content, jamais été heureux dans les ateliers et qui n'en a jamais ouvert et qui a toujours préféré travailler seul, qui n'a jamais voulu ou pu se plier à ce qui était demandé aux peintres à l'époque et ce qui faisait qu'on était un grand peintre, c'est-à-dire le grand décor. La grande décoration que Rubens maîtrisait, que Vouet maîtrisait, que Lebrun maîtrisera. Louis XIV. Donc là, il y a quelque chose d'assez unique. Poussin va être amené d'ailleurs à travailler pour la Grande Galerie du Louvre, mais ça sera une entreprise avortée pour diverses raisons qui ne sont pas toutes imputables à Poussin. Mais le fait est que ça sera un échec, que ça s'arrêtera. Pourtant, Friard de Chanteloup l'admirait beaucoup et a tout fait, effectivement, pour le soutenir, de même que son frère. Ça ne suffisait pas. Et puis, il y a eu aussi, il ne faut pas oublier, la mort de Richelieu en 1642, la mort de Louis XIII. Enfin, bon, il y a eu de grands bouleversements qui ont fait que, du même coup, tout le personnel politique a changé. Sublet de Noyer a été révoqué. Ce sont aussi des choses qui comptent. Et puis, Poussin a très bien senti à ce moment-là que Rome et la vie à Rome, les conditions de vie à Rome, convenaient beaucoup mieux à son type de création, à son génie, que la vie à Paris. Si vous voulez, quand on le compare justement à Rubens ou à Velázquez, qui ont été à la fois d'admirables artistes, des géants de la peinture, et au service d'un prince, des peintres de cour, Poussin, là, représente une attitude qui est extraordinairement nouvelle ou moderne, qui sera celle du XIXe siècle, où au fond, l'artiste doit, pour garder sa liberté créatrice, être en opposition au pouvoir. Ça, il a une attitude, là, je n'aime pas du tout cette phrase, mais c'est vrai que l'idée que l'on se fait d'un artiste au XIXe siècle, c'est bien celle-là. Et Poussin, à cet égard, correspond mieux à un artiste du XIXe siècle qu'à un artiste du XVIIe siècle. C'est vrai. Et ce qui explique aussi l'échec complet de son passage à Paris, de son unique retour à Paris, alors qu'il était à 46 ans. L'échec n'a pas été complet. Il n'a pas été complet. D'abord, les tableaux qu'il a fait à Paris, il a beaucoup travaillé à Paris, sont plutôt bien. Et puis, incontestablement, son passage, bon, qu'on compte. Mais en fait, l'échec a été celui, en effet, on le disait tout à l'heure, d'un homme qui, d'abord, n'aimait pas Paris. Et qui, d'autre part, à mon avis, c'est l'échec d'un homme qui a une œuvre à créer, sait qu'il a une œuvre à créer et se rend bien compte que les distractions parisiennes, les petites commandes de reliure de livres, de serrure de portes, tout ça, ça l'empêche de se concentrer. Ça l'empêche de se concentrer. Et au départ, quand Louis XIII le fait venir... Il se fait prier. C'est pour venir décorer le Louvre. Non. Justement. Et Poussin avait bien peur, qu'il savait bien que ça risquait de lui tomber dessus d'avoir à peindre la Grande Galerie. Et il précise bien qu'il ne souhaite pas le faire. Et malgré tout, quand il arrive à Paris, il en reçoit l'ordre. Il y a dès le départ une espèce de jeu du chat à la souris pour cette grande galerie qui, bon, est un échec, c'est incontestable. Et il n'était pas fait pour ça. Et c'est assez curieux qu'il se soit laissé même piéger, parce qu'en fait tout, quand il arrive à Rome, il sait bien que les peintres qui sont les plus en vue sont ceux qui savent peindre les galeries ou les coupoles. C'est vrai, les grands peintres sont ceux qui savent le faire. Et c'est vrai qu'on comprend pourquoi, parce que c'est difficile à faire. Et très rapidement, il sait qu'il est un peintre de tableaux de chevalet, ce qui est quand même pas ce qu'il y a de plus chic dans la peinture à l'époque. Et très rapidement, il trouve en fond sa vitesse, son rythme. Peu de tableaux par an, pour des mécènes, des clients qui savent en comprendre la beauté, et même le sujet, et qui savent en apprécier parfois le sujet qui peut être complexe, il ne faut pas se le cacher. Tout ça, et là, arrivé à Paris, il se laisse tenter par quelque chose qu'il avait pourtant très vite su ne pas être son génie. Et ça aussi, ça a dû l'agacer contre lui-même. À Cassiano del Pozzo, Paris, 4 avril 1642. J'aurais du goût à pouvoir m'occuper du sujet que votre seigneurie me propose, des noces de Pélée, parce qu'il ne s'en peut trouver un qui puisse donner plus de sujets de faire choses pleines d'esprit que celui-ci. Mais la facilité que ces seigneurs ont trouvée en moi est cause que je n'ai pas de temps, soit pour me donner satisfaction à moi-même, soit pour servir un patron ou un ami, étant continuellement empêché par des bagatelles telles que dessins de frontispice de livres, ou dessins pour orner des cabinets, des cheminées, des couvertures de livres et autres niaiseries. Ils disent que je me puis récréer à ces choses afin de me payer en parole, car ces ouvrages qui sont longs et pénibles me sont comptés pour rien.
J'ai un plaisir particulier de la réponse que votre seigneurie a donnée à monsieur de Chanteloup, touchant la copie de ses tableaux. Parce que je suis bon à innover et non à copier les choses que j'ai faites une fois. Autre tableau célèbre, Pierre Rosenberg, dont de Poussin, ce tableau sur les bergers d'Arcadie, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'il y a une inscription qui est « Et in Arcadia ego », qu'on oui. pourrait traduire donc par « Je suis en Arcadie » et « Moi aussi, je suis en Arcadie ». Mais il y a tout un programme qui se développe à partir de cette inscription. Oui, alors le tableau est évidemment archi-célèbre. Il a été presque plus célèbre autrefois qu'il ne l'est aujourd'hui. Et quand il a cessé d'être célèbre, les iconologues, les iconographes se sont emparés de lui. Ils n'ont pas cessé de s'interroger sur la signification du tableau. Qu'est-ce qu'il nous montre ? Il nous montre trois bergers et une bergère en train de contempler un tombeau sur lequel il y a cette mystérieuse inscription « Et in Arcadia ego » et même en Arcadie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors vous avez trois bergers qui déchiffrent. L'un déchiffre l'inscription. Le second a déjà traduit l'inscription et réfléchi à sa signification. Le troisième berger pointe le doigt vers une bergère et lui montre. Et je crois que lorsque l'on dit « Et même en Arcadie, il y a la mort », c'est-à-dire que même nous, en Arcadie, terre heureuse, nous serons frappés par la mort, nous ne nous trompons pas. Donc, en d'autres termes, je crois qu'il est très important de se dire que c'est un tableau allégorique à la destinée humaine et au bref passage des humains, même les plus heureux sur cette planète, et à notre mort qui est inéluctable. Alors, ce qui est grand dans ce tableau, c'est que c'est, à l'inverse de la première version de Chatsworth, qui sera également présentée à l'exposition Poussin, où il y a un crâne. Ici, il n'y a pas de crâne. Il y a donc, par conséquent, plus la mort que le mort qui est peint. C'est la mort comme image, la mort symbolisée peut-être, comme Claude Lévi-Strauss l'a prétendu récemment dans son écrit, par la femme à droite qui pose la main sur l'épaule du berger. C'est la mort ici qui est représentée, la mort qui se rappelle à l'ordre, qui se rappelle à nous et qui viendra tous nous frapper. Alors on a aussi prétendu que ce crâne auquel je faisais allusion dans la première version de Chatsworth et qui a disparu du tableau du Louvre, qui est plus tardif puisqu'il date de 1638-39, ce crâne, il y était quand même. Il y était quand même, car si vous regardez bien, vous voyez ici l'ombre du bras du berger agenouillé sur le tombeau et devant l'inscription, cette ombre a la forme d'une faux. On a donc, un iconographe a donc prétendu que Poussin avait substitué au crâne cette ombre de la faux de la mort. Donc vous voyez que lorsqu'on regarde des tableaux, on peut y découvrir toutes sortes de choses. Je ne suis pas sûr que cette faux soit volontaire de la part de Poussin. En tout cas, on peut se dire qu'elle y est et qu'à ce moment-là, évidemment, elle est de nouveau présente, la mort, alors qu'elle était représentée plutôt d'une manière... Que si on n'accepte pas cette interprétation iconographique, la mort est là. Représentée abstraitement, c'est-à-dire elle n'est pas présente, c'est l'idée qui plane sur elle. Alors le tableau a été célèbre parce qu'en effet, c'est une de ces méditations philosophiques, comme Poussin a aimé les peindre avant son voyage à Paris de 1640, mais une méditation philosophique, une image philosophique, simple en un certain sens, et qui est une sorte de rappel à l'ordre. Et c'est la grandeur de Poussin, évidemment, d'avoir su qu'en peignant un tableau, nous rappeler que nous sommes tous mortels. La période ensuite qui s'ouvre dans les années 40 jusqu'au début des années 50, une période stoïcienne assez sévère, sans doute la plus riche aussi sur le plan, sur la période des grands paysages par exemple, vous voyez. Et puis alors dans les années 50, on arrive à une sorte de durcissement monumental. C'est la période la plus ingrate peut-être de l'œuvre de Poussin. C'est ce que certains ont appelé la manière magnifique, le caractère grandiose de là. Et puis alors, il y a un nouveau tournant qui se prend, mais c'est difficile de donner une date exacte, mais à la fin des années 50, autour de 1660, évolution ultime, évolution mentale, psychologique, avec un artiste qui est peut-être de plus en plus détaché du monde, mais en même temps, évolution physique, puisque à ce moment-là, Poussin ressent les atteintes d'une maladie, une paralysie, qui l'empêche de tenir le pinceau de façon ferme. Et donc, il va modifier sa technique, et ça nous donnera d'ailleurs les magnifiques paysages de la fin, comme les quatre saisons. Où là, Poussin est peut-être influencé par ce que Anthony Blunt a appelé un
panpsychisme, c'est-à-dire cette idée que font la divinité est infuse dans la nature, elle est partout, ça expliquerait la part prépondérante des paysages à ce moment-là dans son œuvre. Panpsychisme qui se référerait peut-être, mais là encore on manque de points d'appui vraiment solides, à la philosophie de Tommaso Campanella, italien, vous savez, qui a été persécuté par l'Inquisition parce qu'il avait des pensées assez hardies à l'époque, puisque c'était justement une sorte de déisme avant la lettre. Et à ce moment-là, dans des œuvres comme l'Apollon et Daphné ou dans les Quatre Saisons, on aurait justement une illustration de ces théories, en particulier, vous savez, l'idée que le monde a été créé par la combinaison de différents principes qui sont l'humide, le sec, etc. Et donc le rôle du soleil dans la théorie de Campanella est très important, parce que c'est le soleil voilà, qui fait naître la vie de l'humidité de la terre et qui va développer les germes. Et alors à ce moment-là, l'humanité est engagée dans un grand processus de métamorphose, puis de mort, puis de résurrection, d'une certaine façon, enfin de renouveau. Et alors, les quatre saisons pourraient s'expliquer en partie par cela. Mais ici encore, il faut être, je crois, assez prudent. On entrevoit des tournants, mais on ne peut pas, c'est malheureusement impossible, suivre Poussin pas à pas. Alors là, je crois que, ou bien on extrapole et on devient un romancier, il faudrait peut-être une Marguerite Yourcenar ou quelqu'un comme ça pour écrire, au fond, une vie intellectuelle de l'intérieur de Poussin, ou bien au contraire, on s'en tient à la stricte histoire, c'est ce qu'a fait Jacques Tuillier dans sa biographie de Poussin, où il ne dit que ce qu'il peut avancer en toute certitude. Mais en même temps, il y a évidemment des trous, il y a des blancs. Mais c'est assez bien, parce que d'une certaine façon, nous les comblons, ces trous, nous rêvons. On dit toujours de Poussin, d'ailleurs, que c'est aussi à la fois un peintre philosophe et un peintre solitaire, un génie solitaire. Les deux sont vrais. Peintre intellectuel, c'est incontestable. Peintre lettré, c'est indéniable. Mais peintre, tout court, c'est encore plus important. Et je dois dire que jamais Poussin n'a sacrifié la peinture aux idées. Et ou du moins, il a toujours voulu l'éviter. Mais pourquoi en fait-on le modèle parfait du classicisme français ? Moi, vous savez, j'essaie toujours d'éviter d'utiliser le mot classicisme. Tout à l'heure, j'ai failli dire romantique, je l'ai évité. Je n'ai pas dit le mot baroque parlant du Bernin. Je crois que c'est des tiroirs qui ne veulent rien dire. Il faut essayer d'éviter ça. Alors qu'il y ait chez Poussin quelque chose qui corresponde un peu à ce grand siècle qui est le 17e, qui est du Corneille, du Descartes, du Montaigne, ça, c'est le 16e, enfin, qui est du Corneille, du Descartes, du Racine, dans Poussin. Qu'il soit un peu dans l'air du temps, c'est indéniable. Il y a une chose chez Poussin qui est incontestablement est une force de ce grand siècle français. Et c'est le fait qu'il n'a pas peur, si j'ose dire, d'imiter. Au fond, pour lui, le monde antique, c'est un monde idéal. Les fables, il s'agit de les moderniser, mais elles sont présentes. Et si j'utilise le mot fable, c'est en pensant à La Fontaine. Car La Fontaine aussi, il n'a fait rien d'autre que de, si j'ose dire, d'écrire en français des fables antiques. Et on peut dire que Poussin a peint en français des fables antiques, on peut dire ça peut-être. Donc je crois que là, il y a quelque chose de français qui est constant dans la grandeur du XVIIe siècle français, qui est cette volonté non pas de tourner le dos à ce qui a été fait par le passé, mais au contraire de se considérer comme l'héritier de ce passé. Et l'héritier, parfois avec cette idée en plus, l'héritier glorieux de ce passé. Mais je pense que quand on parle du classicisme, on fait également allusion à cette autre tendance qui est inhérente, vraiment, enfin, qui fait partie du génie classique français, c'est-à-dire ce goût pour la morale, en fait. Et cette morale au sens large, bien entendu, au sens de réflexion sur la destinée humaine et qui semble transparaître aussi dans l'ensemble des tableaux. C'est vrai, c'est vrai. Le tableau qui a rendu Poussin célèbre à Rome, c'est la mort de Germanicus. Qui a été 1627. Particulièrement Bonaparte. Que Bonaparte admirait profondément, vous avez raison. 1627, tableau qui est resté à Rome pendant très longtemps et que tous les artistes de passage à Rome jusqu'au XXe siècle allaient vénérer. Un tableau qui maintenant est à Minneapolis et qui sera à l'exposition grâce à la générosité du musée de Minneapolis.
c'est un tableau qui aujourd'hui ne parle plus vraiment. C'est le premier tableau, c'est le premier exemple de vertu. C'est l'exemplum virtutis par excellence, c'est-à-dire la leçon morale d'une œuvre. Je ne suis pas sûr que cette dimension de l'œuvre de Poussin est celle qui nous touche le plus. Elle a existé chez Poussin. Il est incontestable qu'il y a un côté moraliste chez Poussin. Mais je crois que le côté moraliste de Poussin, il ne faut pas l'exagérer. Je crois que là, le côté leçon n'est pas primordial. C'est plus le côté exemple que le côté leçon qui me paraît important. Les tableaux donnent à réfléchir. Peut-être qu'au XIXe siècle, il était un peu rasoir, parce que justement, on n'était pas sorti des mythes, des légendes. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les mythes et les légendes ont un sens bien particulier. Gérard Garou. Il est nécessaire de ne pas oublier la valeur symbolique de ces mythes et légendes. Et je crois que il est nécessaire de regarder une peinture comme celle de Poussin pour rendre le mythe présent, en fait. Vous savez, à chaque époque, on ne peut pas lire un mythe aujourd'hui comme on le lisait au 18e ou au 19e. Ce n'est pas le peintre d'histoire aujourd'hui que l'on retiendra de Poussin. C'est plutôt sa décomposition de la lumière, sa décomposition des formes, et même son attitude lui-même. C'est peut-être ça qui est très moderne. C'est que il est peut-être nécessaire de jouer toujours par rapport à une référence. Et aujourd'hui, la référence, ça peut être un artiste comme Poussin, justement. Il y a quelque chose de mystérieux dans la peinture, et la peinture ne fonctionne pas avec un discours. C'est une image qui pose une question. Je crois qu'il y a une attitude paradoxale chez Poussin, c'est qu'on est un petit peu ennuyé comme ça par la froideur de la composition, mais tout d'un coup, en y regardant plus près, cette froideur, cette attitude conceptuelle amène à un certain mystère, à une certaine à une mise en scène de la question. C'est par cette rigueur qu'on peut nous délirer, qu'on peut commencer à inventer quelque chose. Et ça, c'est une leçon pour les peintres, pour une attitude de peintre, pour comment fonctionne la peinture. La peinture vulgaire, c'est la peinture qui se donne, qui s'explique, qu'on peut aisément commenter, qui donne ses sources. Ce qui est très frappant chez Poussin, c'est que en fait, il y a par ses compositions et par cette mise en scène, à un moment donné, quelque chose qui est de l'ordre de l'absence, qui est quelque chose qui ne se donne pas, justement, et dont il faut qu'on se nourrisse, en fait. Dernier grand cycle de l'œuvre de Poussin, ce cycle des saisons, justement célèbre également, parce que d'une part, c'est effectivement l'une des dernières œuvres de Poussin, il a peint ça au soir de sa vie, il a peint ce cycle au soir de sa vie, et en même temps, on y retrouve, sous forme allégorique, une méditation sur la condition humaine. Alors ici, nous trouvons en présence de la dernière toile, l'hiver, qui est en même temps aussi une interprétation du déluge. Tout à fait. Alors les saisons ont été peintes pour le duc de Richelieu entre 1660 et 1664. On ne sait pas très bien beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Le prix que Poussin a reçu, qui lui donna l'idée de peindre les saisons et qui surtout lui donna l'idée de peindre les saisons de cette manière-là. Car bien sûr, c'est le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, mais c'est aussi quatre épisodes bibliques. Adam et Ève, Ruth et Boaz, la grappe de Canaan. Et le déluge. Et puis ce sont aussi les quatre âges de la vie, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse, enfin la maturité et la vieillesse. Et puis ce sont aussi les quatre heures du jour, c'est le matin, c'est l'été, c'est le midi, c'est le tout ça. Et puis pourquoi avoir choisi de peindre les saisons de cette manière-là? Par exemple, là, nous sommes en face du déluge, l'hiver. Pourquoi pas de neige? Pourquoi avoir transformé cet hiver en une scène de déluge comme Michel-Ange l'avait fait avant? Et d'orage aussi. Et d'orage et de déluge. Alors évidemment, c'est
parce que ces quatre tableaux sont aussi une histoire de l'humanité résumée en quatre toiles. Une histoire de l'humanité qui, ça se termine pas tellement bien puisque le déluge, c'est la fin de l'humanité. Avec malgré tout cette note d'espoir, ou ces notes d'espoir, il y en a plusieurs notes d'espoir. D'une part, bien sûr, il y a l'arche de Noé qui est là, sous ce soleil ou cette lune absolument extraordinaire, donc qui prouve bien que le monde ne sera pas complètement englouti. Et puis il y a aussi ces extraordinaires serpents dont on a beaucoup parlé. Il y a deux serpents sur le tableau, il y en a un sur un des arbres de la partie droite de la composition, puis il y a le célèbre serpent à gauche, ces serpents qui sont en même temps symboles du mal mais aussi d'espérance, car le serpent surpend au déluge. Alors ce que l'on voit dans cette espèce d'atmosphère lugubre, terrifiante, cette foudre, c'est tout noir et gris, cette foudre qui part court le ciel, qu'est-ce que l'on voit? Des gens qui tentent de se sauver. Ils tentent de se sauver, et la barque, ça sombre, l'un s'accroche à un cheval, un autre à une planche, une barque, une femme tend un enfant à un homme. Nous savons qu'ils sont perdus, ils n'ont pas perdu espoir, mais nous savons qu'ils sont perdus. Et nous savons que, en un certain sens, c'est notre destinée qui est là. L'extraordinaire, c'est d'avoir peint cette chose toute banale qui est l'hiver, sous forme de ce déluge qui est la fin de l'humanité. La fin de l'humanité, et c'est donc un testament pessimiste qui est celui du poussin vieux, d'un homme sans espoir, qui a perdu presque toute raison d'exister, et qui, comme dernier tableau, presque dernier tableau, nous livre cette note pessimiste, mais le fait sans oublier l'extraordinaire... devoir du peintre, de ne jamais oublier que de raconter une histoire, ça signifie le bien faire, et qu'il le fait avec cette espèce d'extraordinaire monochrome parcouru par la foudre. C'est un tableau qui saisit d'horreur, qui fait peur, qui fait froid dans le dos. C'est un des tableaux évidemment les plus grandioses des collections du Louvre, et c'est une image tout à fait unique qui a toujours saisi les peintres qui l'ont vu, et qui n'a jamais été, dans un certain sens, il n'y a pas d'image rivale à ça. Là, Poussin s'est surpassé, et à travers cette espèce d'admiration pour la nature qui marque ses œuvres tardives, et cette idée que la nature se renouvelle, qu'elle est que des cycles de la nature, alors que et qui ne s'arrête jamais, il y a quand même, et à l'inverse de l'homme qui meurt, il y a quand même un ultime message de pessimiste, ou du moins négatif, sur la destinée humaine. Car en fait, toute la carrière de Poussin est constituée d'une réflexion sur la destinée humaine, sur la grâce, sur le hasard de la providence qui vient parfois sauver une personne. Et c'est au fond cette grande réflexion sur la destinée humaine et qui trouve là, dans ce déluge, sa conclusion, et sa conclusion désastreuse. Poussin mourut au mois de novembre 1665 et fut enterré dans San Lorenzo in Lucinia. J'ai rencontré Poussin, dit Bonaventure d'Argonne, dans les débris de Rome ou dessinant sur les bords du Tibre. L'abbé Antoine Arnaud, de la génération de Port-Royal, affilié depuis à la Trappe, avait aussi fréquenté l'auteur du tableau du déluge. Ce tableau rappelle quelque chose de l'âge délaissé et de la main du vieillard. Admirable tremblement du temps. Souvent, les hommes de génie ont annoncé leur fin par des chefs-d'œuvre. C'est leur âme qui s'envole. Chateaubriand. Une vie, une œuvre, Nicolas Poussin ou le mystère du classicisme. Avec les peintres Avigdor Arica et Gérard Garouste, Alain Méraud, historien d'art, professeur à l'Université de Lille, Louis-Antoine Pratt, chargé de mission au département des arts graphiques du musée du Louvre, et Pierre Rosenberg, directeur du département des peintures du musée du Louvre et commissaire de l'exposition Poussin, présentée au Grand Palais à Paris à l'automne 1994. Texte lu par André Casalas et Alain Rimoux. Mixage Jean-Louis Boissonnade, Christophe Davio. Une émission de Pascal Lismonde, réalisée par Josette Collin.
Thank you.